qu'il a jeté des grains dans un grand jardin. He throwed seeds in a great garden. Et tous ceux qui passent ne voient pas ces grains. And everyone walking cannot see it. Et voici que deux saisons passent. And behold, two people are passing. Et ces grains qui ont été jetés. And those seeds that were thrown. Passent de la germination à la croissance. Are growing. Et le Seigneur te dit, c'est un processus naturel. And the Lord is telling you, this is a natural process. Mais non seulement tu passeras de la germination à la croissance, he will start growing, mais il va ajouter son surnaturel en toi. He's going to add the supernatural in et de sorte you, que la croissance sera très accélérée. So that the growth will be accelerated. Notre Dieu et Père, our God and Father, nous te bénissons. We bless you. Amen. Amen. J'aime cet enseignement que je vais donner. I love this teaching I'm about to give. Comme je dis que vous avez une grâce extraordinaire. You have an extraordinary grace. Et parce que je parlerai because I'm going to talk de l'expérience de la prospérité financière en Dieu. In God. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. And I bless the Lord for your lives. Et pour tout ce que le Seigneur est en train for de faire everything en vous. He's doing in you. Qui veut être prospère who financièrement? Wants to be financially prosperous? Et je me pose la question, and I wonder, en quoi ce mot dérange beaucoup les catholiques? Why is this word disturbing to a lot of Catholics? Et le texte que nous allons lire the text we are going to read va nous donner la vraie définition de la prospérité. The true meaning of prosperity. Mais moi je veux orienter ça and I want to direct sur la prospérité financière. About financial prosperity. Je vous assure, I can assure you, que le monde the d'aujourd'hui world, world, a besoin de signes de prospérité qui doit jaillir des chrétiens. That should come from Christians. Le chrétien est vu comme quelqu'un qui est vaincu is seen as someone defeated, et qui ne peut pas se battre. And he cannot fight. Ce que nous sommes en train de vous enseigner, what we are teaching you, c'est que la première ressource de bénédiction is the first resource of blessing, c'est ce que Dieu a mis naturellement is en what vous. God put naturally in you. La deuxième ressource de bénédiction and the second resource of c'est ce que Dieu a mis en vous d'une manière surnaturelle is what he put in you in a supernatural way. Et si tu n'utilises pas la ressource, so l'intelligence if you don't use the intelligence que Dieu t'a donné, that God gave you, la force du caractère, the strength of character, que Dieu t'a donné, that God gave il ne peut you, pas te donner he cannot give la seconde you bénédiction. The second blessing. C'est pas possible. That's not possible. Il dit, si vous ne comprenez pas he ce que je vous dis, if you don't understand what I'm telling les disciples you, parle-nous du ciel. And the disciples asked, talk to us about heaven. Jésus dit, mais si vous ne comprenez Jesus pas said, ce que je vous dis, comment vous allez comprendre la réalité du ciel? How are you going to understand heavenly realities? Je suis théologien et I j'ai vu là où ça n'a pas marché dans notre pastoral. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement de l'Église ni sa théologie. It's not about the theology of a church. Et là où ça n'a pas marché, j'ai vu maintenant. And where it's not working, I've seen c'est la bonne now compréhension it's the good understanding du salut en Jésus-Christ. Of salvation in Jesus Christ. Excusez-moi des mots théologiques and I'm sorry to que use je vais vous donner. Theological words. Il y a une dimension historique. There is an historic dimension. La dimension historique, c'est notre vie ici. Which is our life here on earth. Et qui prend en compte des circonstances, notre histoire. Which takes into consideration il y a une our story, dimension eschatologique. And then there is the la dimension eschatologique, c'est dimension, l'aspect spirituel, which le is royaume the de spiritual Dieu. Aspect, the kingdom. Dans son aspect spirituel, parce que le royaume est déjà au milieu de nous. And the spiritual aspect of le spirituel a bouleversé le naturel. Jésus dit, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Quand Jean-Baptiste vient, il dit, le royaume de Dieu vient. Jésus lui dit, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Très important. On va lire une épître assez étrange quand même. Parce qu'il n'y a pas de chapitre dans cette épître. Because there is no chapters in it. On a même l'impression que Paul, may feel like Paul non Jean plutôt vieillissant, sorry, John, était un peu fatigué. Was a bit tired. Il était un peu fatigué. He was a bit tired. Il était vraiment fatigué. Really tired. In Jerusalem version. Très cher. Très cher. Je souhaite que tu te portes bien sous tous les rapports et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. Oui.
Alors vous commencez à toucher le mot prospérité. To see the word prosperity. Et comme je l'ai dit, c'est un état d'être. As I said, it's a state of being. Un bien-être. A well-being. Et je dis aujourd'hui, and I'm saying today, ton bien-être intéresse Dieu. Your well-being matters to God. Ton bien-être intéresse Dieu. Your well-being matters to God. Maintenant, il faut connaître ce que c'est qu'un bien-être. You need to know what it is. Et le Seigneur dit par la bouche de Jean, je désire que tu prospères à tous égards, qu'on prospère le tel ton âme. As the state of your soul. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. God wants us to be in good Dieu health. Veut qu'on mange bien. God wants us to eat Dieu well. Veut qu'on loge bien. He wants us to be Dieu in a veut qu'on travaille. He wants us to have Dieu a job. Veut que nos affaires rapportent gros. Le Seigneur n'est pas contre. Well. He's not against that. Il n'est pas contre He's not against notre vie. Il n'est pas. C'est pas quelqu'un qui vient nous dire He's non, like non et non, non. Just saying us no and le no. Seigneur te dit plutôt, cherche d'abord He's le royaume. Just saying, seek the kingdom et le reste first, te sera donné en surabondance.